actuellement un BTS management des unités commerciales dans le but de travailler dans le monde du prêt-à-porter de luxe. Être élue Miss Mali France 2014 serait une chance pour moi de représenter mon pays d'origine, d'être son porte-parole et son effigie. Ce serait également un tremplin pour la mise en place d'un projet qui me tient à cœur. Suite aux précédents événements qui se sont déroulés, notamment dans le nord du pays, les enfants ont été profondément touchés par les circonstances de la guerre et je pense qu'il leur serait difficile de reprendre sur de bonnes bases. Le but de ce projet serait donc de leur venir en aide en leur offrant la possibilité d'étudier dans de meilleures conditions et qu'ils puissent avoir le nécessaire dans leur fourniture scolaire afin de leur permettre de mieux appréhender leur scolarité. Aider ces enfants, c'est leur faire savoir que malgré les kilomètres et la distance qui nous séparent de notre patrie, la communauté malienne de France pense à eux. L'éducation de ces enfants reflète l'image et l'avenir de notre pays à travers le monde. Et comme dirait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous utilisez pour changer le monde. Je souhaite être pour eux un message d'espoir, qu'ils sachent que même s'ils ont traversé un père, ils ne doivent pas s'arrêter pour autant et continuer à aller de l'avant. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Si j'ai le privilège d'être élue ce soir, ce sera aussi pour moi l'occasion de renforcer un lien solide avec ma double culture franco-malienne, car comme vous le savez, la notion de valorisation de la notion de double culture est le maillon essentiel de cette élection de Miss Mali France au RTL.